Salut à tous, c'est Nasband qui vous parle, comment ça va? Moi je vais super bien et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Final Fantasy XIII. Où littéralement, comme j'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui, et ben on va faire d'un point de sauvegarde à l'autre. Hein. Donc peut-être qu'il va pas se passer grand chose, peut-être que si, on verra bien. Ok, mon téléphone peut retourner en charge. Alors, il y a un trésor là, nickel. Et il y a l'air d'y avoir une barrière là-bas. Ok. Ou alors c'est juste une zone de chargement, tiens. Ouais, bon, d'accord. On va quand même aller plus loin que ce point de sauvegarde là, hein, parce que bon. Quand même. Bon, est-ce que je peux améliorer des trucs? Ouais. Donc du coup, on continue sur notre lancée, hein, parce que de ce que je sais de Shiro, comme j'ai dit lors de la dernière partie, et ben on est bientôt au bout. Puis je veux quand même finir ce jeu. Waouh, on a une jolie bulle ici, dis donc. Enfin, je crois. Ah oui. Ok, c'est quoi ce pénis géant là qui s'élève dans le ciel? Ah non, c'est une tour. Il est au moins assez gros, hein. Non, mais attends, t'as vu les pics là? C'est la taille qui compte, hein, comme on dit. Waouh. Un falsi. Bah, on a déjà traversé l'antre d'un falsi en fait, hein, Ouroboros. Il est pas trop d'accord qu'il y ait des monstres par chez lui, visiblement. À se demander pourquoi. Bon, bah, dossier mise à jour. Les falsis, allons-y. C'est Daka. Le falsi qui hante la tour de Taijin. Malgré sa taille imposante, il parcourt les cieux avec une grâce et une aisance insoupçonnée. Contrairement à la majorité des falsis de grand pulse dont la tâche est liée à l'aménagement et l'exploitation des terres, on prête à Daka une toute autre mission qui consistera à découvrir un secret céleste ou à surveiller le monde. Ok, on s'en fout un peu, non? Ah bah tiens. Bon, du coup... Certaines stealthies, dites stealth, portails agissent comme des téléporteurs une fois que vous avez rempli les missions qui sont liées, permettant ainsi de se déplacer de l'un à l'autre instantanément. Ok. Compère maintenant ça qu'il partait, blablabla. Non. Non, non, je m'en fous. Complètement. T'as beau me suivre du regard, ça veut pas dire que je vais faire des trucs pour toi. Hein. Allez, salut. Viens ici, abruti. Je veux te combattre. Dieu que t'es moche. Ouais, bon. T'es tout seul. On va te péter la gueule. Voilà. Oui, clairement, on va te péter la gueule, voilà. Oui, non, mais non, t'as clairement pas la puissance pour nous avoir là. Désolé. Mais par contre, ils ont une jauge de choc de folie, quoi. 400% de jauge de choc, non, mais ça, c'est pas un boss. C'est un putain d'animal de merde là qui se balade sur la plaine. Alors bon. D'ailleurs, j'ai plus jamais eu un de ces trucs là qui te permettait d'approcher les ennemis par surprise. Sérieux, il doit être assez loin, hein, au moins, ces trucs là. Comment ça, j'étais à 10 km de lui, il m'a vu. Bon, bah allons-y, hein. En tout cas, il aime pas Fong, hein. Clairement, il l'aime pas. Bon, c'est pas grave. Il s'est drainé de la vie avec nous, mais bon. Ouais, 400%. 400% la jauge de choc. Je le tue avant que sa jauge de choc arrive au bout. Sympa, hein. Voilà, tu vas crever. On s'attaque pas à Vanny impunément. Et tu t'es attaqué à Vanny impunément. Donc, voilà. Crève et fais pas chier. Ouais, là, prochain point de sauvegarde où qu'il soit, par contre, on s'arrête. Bon, allez, on a juste à traverser l'antre d'un falsi, hein. Ah bonjour. Voilà. Excuse-moi, je vais péter la gueule. Quoi que tu sois. En même temps, je sais pas pourquoi je me fais chier à les combattre. Hein. Je veux dire, j'aurais tellement pas besoin. Oh, bon, 352% de barre de choc, c'est bon, il est foutu le machin. Hein. Bref.
Tu vas crever à vitesse grand V, mon gars. Bon, par contre, j'ai l'impression que mes attaques lui font rien, même en état de choc. Hein. Regarde-moi ça, c'est Fang qui fait le plus de dégâts. Apparemment, il est sensible au coup, mais pas à la magie. Je m'en fous, je vais pas changer mes équipes pour autant. Bon, voilà, ça y est, j'ai combattu un gros truc. Bon, je veux dire, si des mobs veulent venir se battre, moi, ça me dérange pas, hein, ils peuvent. Je suis plus à ça près. Et pourquoi le jeu, il lag, là, hein? Ah d'accord, ils se foutent sur la gueule, ces deux-là? Ouais, bah, viens ici, abruti! Sérieux! Les monstres sont des crétins dans ce jeu! Bon, on va d'abord buter le gros chien de l'enfer, là. Ouais. Et bien sûr, ils sont en coopération, ces connards, logique. Bah oui, hein. Logique que deux espèces totalement différentes coopèrent. Alors, je sais pas ce qu'il essaye. Voilà, maintenant c'est le gros oiseau là. Qui fait pas tant mal que ça, ça va. Bon, le gros oiseau il va pas durer longtemps. Il m'a réduit ma puissance de coup, putain, ça va prendre des plombs maintenant. Regarde-moi ça, je lui fais rien. Sa jauge de vie, elle descend même pas. Elle t'a fait quoi, Vanny, hein? Pour que tu t'acharnes sur elle comme ça, c'est pas elle qui te fait le plus mal, hein. C'est Fang. Voilà. Merci. Non mais je voulais juste combattre ces trucs là parce que je sais pas, ça me semblait être le bon truc à faire. Non mais pourquoi ça lag là? Je suis sur une 1060, ça c'est de l'optimisation de chiasse, je m'y connais pas. Hein. Je vais attraper un torticolis à le regarder. Oui bon bah merci d'être déjà là-bas, hein, je veux dire, sympa. Bon, excusez-moi, je suis là pour vous péter la gueule. Les filles, venez pas m'aider surtout, hein. Maudit sur Vanny, vas-y. Du moment que vous ne réduisez pas mon attaque, j'en ai rien à foutre. C'est pas grave. J'ai horreur des mobs qui peuvent te couper ton attaque. Sérieusement. Bon, lui va crever, hein. Et tu vas arrêter avec les drains électriques, tu peux pas te sauver comme ça. C'est bon, hein, faut arrêter. Si t'espères. Voilà. Le mec, je l'ai mouillé jusqu'à ce qu'il soit mort. Oui, parce que c'était que des attaques d'eau que je faisais. C'est un peu ridicule, en fait. Faut pas fuir à chaque fois. On n'a jamais fui. Ah bah tiens, le jeu, il tourne de nouveau à 100%. Super. Il est bien 60 FPS, là. Du moins, c'est ce que me dit OBS. Oui, bon, bah, quoi qu'il y ait à cet endroit-là, on va lui péter la gueule. J'aime bien les endroits comme ça. Ouais, bravo Fang, espèce de psychopathe. Ah, c'est joli, hein. Ça y est, pas à chier. Tour de Taijin. Grand pulse. Ok. Ok. Mais encore. Il y a vraiment besoin d'une cinématique pour ça. Ça va, Vanny? Ouais, ça commence à ressembler à un film d'horreur, j'aime pas ça. Ouais, bah elle pourrait parler mieux en télépathie. Sinon, il se passe quoi avec vos animations là? Ouais, mais on est obligé de passer par là, alors on va pas le faire. Pourriez parler en anglais ou en japonais? Donc les mecs ils me comprennent mais ils peuvent pas parler la même langue que moi. Waouh. Vous vous rendez compte de la technologie qu'il faut mettre au point quand même pour réussir à faire ça? Waouh.
C'est très certainement un piège. Bon, avant d'y aller, là, j'ai vu un coffre avant, alors vous y allez pas sans mon autorisation, merci. Hein? J'ai bien attention d'aller le récupérer. Ouais, voilà, merci. Mais j'avais pas envie de me battre contre ce truc. Mais bon, je vais quand même le faire. Voilà, c'est bien. Bonjour, je viens vous péter la gueule. Ça vous dérange pas trop. Eh bon, on s'est pris les deux le souffle maudit, c'est pas grave. Maintenant il va faire son drain électrique parce qu'il sait pire que ça, cet enfoiré. Non? Non, non, il a fait une attaque simple. C'est très con. Voilà, il s'est pris un coup de bâton sur la gueule et ça l'a tué. C'est bien triste. Bon, sinon, est-ce que j'ai enfin droit à aller plus loin dans mon Crystarium en tant que ravageur? Non, hein, putain, non, ça sert à rien de regarder pour les autres. Sinon, c'est quoi les dossiers? C'est juste des monstres? Oh putain! Et voilà, encore des pages et des pages de texte à lire. Tour titanesque qui fut jadis bâti par des falsis dans un but inconnu. On suppose qu'ils tentèrent ainsi d'étendre leur territoire jusqu'aux cieux. Quel que fut leur dessein, la tour est aujourd'hui affaissée, rompue en plusieurs endroits et ses ruines sont devenues l'antre du falsi d'Araka. Ok, c'est cool. L'environnement. Les stèles portail, oui, bon, ça j'ai déjà lu, merci. Et les ennemis rencontrés, bon, c'est juste les bestioles là. C'est des loups ces trucs là? Non, c'est des protubérances dégueulasses. Voilà ce que j'appelle, moi c'est pas des loups ça. Voilà, je savais bien qu'il y avait un coffre ici. Hop là, coffre, trésor, nickel. Vous gagnez 4721 giles que j'utiliserai jamais parce que littéralement le commerce ne sert à rien dans ce jeu. Eh oui. Eh oui, Jamy. Allez, un petit point de sauvegarde. Est-ce que j'ai gagné les matériaux? Modification, améliorée. On va continuer avec le bâton nacré de vanille. On ne dénotera pas la connotation sexuelle du nom de son arme. Même si je suis sûr que vous l'avez déjà tous fait. Allez, sauvegarder. Donc voilà les gens. Si cette vidéo vous a plu, vous laissez un j'aime, commenter, vous abonner, à partager sur vos réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter et la mettre en favori, tout ça me ferait vraiment plaisir. C'est mon joint sur ma page Facebook qui est dans la description de la vidéo. Voilà, sur ce, moi je crois que je vous ai tout dit, donc ciao les gens, c'était Nasband pour vous servir. Allez, bye. Abruti, il m'a foutu LTRT sur l'écran pendant moins d'une seconde. En mode, tiens, hop, quick reflex. Ah, pas assez rapide. Oui, j'ai vu qu'il est parti très vite. Hein. Et j'ai appuyé, hein, mais... Là, je parie que comme des gros bâtards, ils vont changer les touches, hein. Oui, c'est clair. Un peu pour l'instant. Non, pour l'instant, ça va être AX toujours, mais... Et d'ailleurs, pourquoi je dis c'est loupé, Chris, là, sachant que j'ai réussi le QTE? Ça. Ah, voilà, j'ai appuyé sur LTRT, c'est bon. Non mais putain! What?